J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et dans cette vidéo, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tueur d'empoigne pour aller découvrir le nouveau bloc et Retail Row qui est revenu. Alors, du coup, on va d'abord aller au nouveau bloc parce que à Retail Row, il y a beaucoup de monde au début de la game. Donc, d'abord le nouveau bloc. Donc le coffre légendaire, je l'ai découvert totalement par hasard. Un truc, si j'avais atterri, regardez là-dessus là, où il y avait une arme épique, je me suis dit, ah, si je vais là, je vais tomber sur une bonne arme. Et en effet, il se trouve que c'était le pompe tactique épique. Ensuite, j'entends le signal d'un coffre, j'y vais. Et là, bam bam. Qu'est-ce que j'ai? Le coffre. Voilà comment je l'ai découvert et comment je vous fais découvrir maintenant. Donc on commence à se stuffer ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, le pompe de guerre. Alors. Ok, il y a des amis avec moi. Pistole silencieux. Ok, Retail, c'est dans la zone, donc ça va. Et voilà. On va aller arriver plus vite à Retail. On va être obligé de prendre la bulle. De Loot Lake. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une belle petite Scar. Je ne vais pas pouvoir aller dans la faille si je ne vais pas à un endroit en hauteur. Ah.
Ah yes, j'ai réussi. Retail, voilà. Donc, il y a aussi eu une petite amélioration sur les robots. Le robot, je l'avais testé vite fait tout à l'heure en vidéo, mais une amélioration, c'est vrai que ça permet de mieux viser. Allez, mon gars, Ritel. On va enfin découvrir ça ensemble, puisqu'à chaque fois que j'y vais, c'est à peine un coup de vent, puisqu'il y a tout le temps quelqu'un. Et même une fois, je me suis fait karma par un piège. Il y a l'air d'avoir que des amis à Ritel, donc ça tombe bien. Ok, Ritelro, attention à la horde de zombies. Alors cette fois-ci, on va découvrir ça mieux, plus en détail. Donc la horde de zombies. Mais je vois aucun spawner à zombies là, il y en avait plein tout à l'heure, là je vois rien. On dirait qu'ils sont tous tranquilles, qu'il n'y a pas de spawner. Wesh, ils ont cassé les spawners à zombies ou quoi? Parce que je sais que c'est possible, mais. Attendez, et si on regarde en hauteur? Non mais ouais, je rentre dans Ritelro, c'est marqué attention à la horde de zombies. Il y a personne. Il y a pas de zombies mec. C'est quel zombie? À mon avis, ils ont dû casser les spawners, hein, ce qui fait qu'il y a plus de zombies là. Je sais que c'est possible. Ouh là là. Et attention toi. Eh ben il m'a eu. Bon, en même temps, ça lag un peu, mais. Donc, c'est vrai que ça empêche un petit peu de fight. Tout ça. Allez, réapparition. Bon, bah, le bloc, c'est fait. Ritel, voilà, je me suis un petit peu promené. Mais les zombies, ils ont dû casser les spawners, voilà, comme je l'ai dit. Hein. Parce que quand j'y étais, moi, en coup de vent, j'en ai vu des zombies. Hein. Réapparition. Et donc là, il y a un robot. Mais bon, comme on a un foire d'empoigne, les robots, c'est pas trop nécessaire. On va plutôt rush celui-là, là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Mais destiné ces tirs-là? Ah ben oui. Moi j'avais plus qu'11 PV. Mec. Il y a beaucoup de loot, hein. Ouais, la réapparition, par contre, elle est hyper longue. Allez, ah voilà.
Alors, ah bon, on va voir un petit peu. Où sont les ennemis? Ah ouais, voilà, vous avez vu le laser rouge là? C'est ça le viseur du robot. Non. Non, il y a le reste d'un loot là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà. Ok, donc il en reste encore du travail avec les gens là. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de kills, mais en même temps, j'attends de croiser des gens, moi. Ouh, on essaie de me tirer dessus là. Regardez là, moi je vois que de mes amis là. Moi, si vous dérange pas, moi je vois mon petit breuvage. Voilà. Ah, voilà enfin quelqu'un. Ouh là là, il est chaud. Ouh là là. Wow. En plus, il était bien caché. C'est qu'un skin sombre. Et le pont, il est sombre. Donc, je le voyais pas, moi. Je pensais qu'il était caché. J'allais prendre par surprise. Il y a toujours quelqu'un là. What? Mais on m'a même mis en plein air. Mais si ça commence comme ça, mec, wesh. Ça commence comme ça, on n'est pas prêt de faire des kills. Hein. Donc on est en fort d'empoigne, je fais qu'un kill. Donc, tu me diras, ça bug, mais bon. Oh là là, la tête. Oh, qu'elle était jolie. Ah, j'ai eu peur de pas pouvoir le kill parce qu'il y a eu un arrêt sur l'image. Parce que ça bug. Ça va, heureusement que c'est un ami. Comme ça, c'est bon, ça me fait pas de mal. Mais je pense qu'ils seront plutôt là-bas, là, les amis. Oh, deux! Deux, si je fais une pierre de coup, ça serait bon. Ok, une pierre. Ok, donc j'ai une pierre de coup, mais bon. J'ai combien de kills? Je crois que j'en ai trois. Ok, il y en a encore des ennemis. Allez, une pierre. Attendez, on va retenter une pierre. Non, attendez, de là, j'arrive pas à lui faire des dégâts. Une pierre.
deux coups et je me suis fait tuer. Donc la première personne, en fait, je sais pas si c'est moi qui l'a tué. Mais on va voir combien j'ai de kills. Si j'en ai 4, c'est que c'est moi, c'est que c'est pas moi. Si j'en ai 5, c'est que c'est moi qui l'a eu. Ok, j'ai 4 kills, donc c'est pas moi qui l'a eu. Donc j'ai 4 kills, j'ai mon record de solo là. Ouh. Ah, attendez, regardez-moi ça. Une pierre. Et ensuite, où est le deuxième coup? Ah. Oh non. Bon, il y en a qui vont trop vouloir se percher là-haut, là. Moi, je veux qu'ils descendent, les amis. On va casser. Hein. Attendez. Ok, c'est pas un ennemi. Ok, c'est bon, c'est... Bon. Évident de jouer comme ça parfois, je sais pas, vous voyez qu'il y a des lags parfois. Ah, le fort d'empoigne est presque fini. Ok, j'ai 5 kills. Allez, toi, je veux te tuer. Toi. Oh non! Attention. Ah, il a réussi à m'avoir. Bon, merci. À celui qui vient de le kill. Oh, ça lag. Et ben voilà, ça lag. Donc on a gagné, mais ça lag beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, je pense qu'il nous a plu. Voilà, on a découvert le bloc Terry Telro. Si elle vous a plu, lâchez un maximum de like, on fera mieux la prochaine fois et sans bug. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kenan, ciao.